Bonjour et bienvenue. On va devoir boire. De retour dans notre survie du week-end. On continue Blackrock. Fais voir un peu. Ouais, ça va. On va continuer Blackrock. On a techniquement plus ou moins fini. Est-ce qu'on prend ça? Non, on n'a pas besoin. On a plus ou moins fini parce que la dernière fois on avait fini de réparer donc. Donc ça, transmetteur, ok. On a tous les transmetteurs, ça y est. On a tous les transmetteurs de chaque région, donc ça c'est plutôt cool, donc ça c'est fini. Et du coup, bah c'est fini, voilà. Donc on peut partir, ou alors bien sûr chercher évidemment les différentes zones où il y a des caches. Mais honnêtement, c'est pas vraiment plus intéressant. Là, on a du métal. Ok, on a un temps un peu pourri par contre. On dirait un avion qui passe au-dessus de nous. On a une grotte là-bas, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Évidemment, on a du vent qui est bien sûr dans la direction. Il faudrait qu'on avance. On va essayer d'avancer et de rentrer, en fait, tout simplement. Dans cet épisode, ça va être de rentrer. Donc, c'est possible que ça soit un épisode court, on verra. On verra ça. Je voudrais juste aller voir la grotte, s'il vous plaît. Laissez-moi avancer, merci. Mon dieu. Aïe aïe aïe. Il y a un bruit bizarre, on dirait vraiment le bruit d'un avion en fait. Très étrange. Je sais que c'est le vent qui souffle et tout ça, mais... Planque de l'électricien. Juste du charbon et du bois. Il fait très froid. On peut pas... Il fait pas assez clair, hein. On est d'accord pour un... Non. Ouais, non. On a du charbon. On a du charbon. On va dessiner la planque. La grotte. Alors, on est là. Ça marche, ça marche. Bon, on va avancer. Je crois qu'on va avoir un problème avec le froid. Ça va... Ça risque de nous coûter un peu cher. Faudrait que je le casse, ça, aussi. C'est vrai que j'y ai pas pensé, parce qu'on a un marteau. Et là, j'en ai trois, donc du coup, il faut faire quoi avec ça? Faut le casser, c'est ça? Je me rappelle plus ce qu'on peut en faire. Waouh, j'ai complètement oublié ce qu'on peut faire avec. Bon, on verra ça après. Si je trouve pas, il y a trop plein de trucs, c'est mal placé, mal listé. Enfin bref, on avance. On a un très très mauvais temps. Je pense que ce serait une idée un peu bête d'avancer là. Entre le vent et tout, je crois pas que c'est vraiment une bonne idée de faire ça. On a une voiture, on peut peut-être aller checker la voiture vite fait. C'est bête parce que les loups ont l'air d'être partis pour le moment.
Ouais, non, là, ça sert à rien. Je sais. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un tout petit peu, là. On va sûrement prendre très cher avec le froid. Si le temps s'améliore pas, ouais, on va prendre sûrement très cher avec le froid. Bon, ça a l'air un peu mieux. Ok. Bon, on a toujours des loups gris, hein, sûrement, hein, qui traînent. On va sûrement en combattre quelques-uns. Si je me rappelle bien... Tiens, on a une carcasse là-bas, sûrement. Il y a un bois, un tronc d'arbre, en fait, en plein milieu. Et je sais que je m'en servais pour me mettre à l'abri des loups gris. Je crois que c'est celui-là. C'est quoi ça? Ouais, une carcasse de cerf. Je crois que c'est ici où je me mettais. On va avancer. Peut-être que ça va être un épisode court, hein, je sais pas, hein, pour le moment. Si on arrive à bien avancer, oui, sinon, on verra. Alors, je crois que là-bas, il y a une ferme. On peut grimper. Vous venez les... Merci. Une. Coupé, deux, c'est bien. Putain, je suis devenu nul, ça y est. Donc, une là, deux. Lui, il est en train de venir, on peut peut-être lui mettre... Tais-toi ! On peut peut-être lui mettre une dans la tête. Voilà. Ça, ça fait un. Ah, putain ! C'est bon? J'arrive pas. Bon, on a froid, c'est pas grave. Une, pas deux là. Bon, bah c'est bien. On n'a rien perdu. Alors là, je crois qu'il y a un chemin. Ah, oh, c'est chiant, il faut qu'on se réchauffe. T'as vu que j'ai mis le gilet pare-balles. Allez, avance, s'il te plaît. Je crois qu'il y a un endroit où on pourrait faire du feu. On va peut-être essayer. Alors,
je crois que là on peut passer ou pas, je me rappelle plus. Ouais. Par contre, il y a quelques petits trucs. Non. Ah, on peut faire du feu à l'intérieur, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal cet endroit. On va prendre quelques morceaux de bois. Après, techniquement, j'en ai peut-être pas besoin. Sérieux là? C'est là-bas. Là et là. Je crois que c'est ici qu'on peut faire du feu et tout ça. Je crois qu'il y a peut-être même une voiture à l'intérieur. Ouais, c'est bien ça. C'est trop froid. Il faudrait qu'on fasse du coup, c'est quoi ça? Alors, tu ferais mieux de vider ta vieille réserve de l'autre côté du mur. J'entends des loups la nuit. Okay. Clé de souvenir, ça marche. Bon, ça c'est une bonne chose. Yes, let's go. Bon bah du coup, très bien. On va peut-être pouvoir faire ça aussi dans l'épisode, c'est cool. On va voir. J'ai pas trouvé de Polaroid pour le moment. Bon, après, il y a encore plein de petits lieux que j'ai pas fait, on va dire. Perfect. Ça, on pourrait les casser. Ça va sûrement donner des choses. Ok, alors, fais voir un peu. Encore plus lourd que lourd, c'est bien. J'ai... Est-ce que... C'est pas mal. On a combien de... On a 2 heures. On va manger tout ça parce que je voudrais garder tout le reste. On va peut-être dormir 1 heure, l'histoire de se réchauffer. Puis après on va faire cuire un thé et on va se casser d'ici. C'est quoi qu'on doit faire? Un sino. Ça marche. On va en faire 2. Quoique j'ai peut-être pas besoin de me reposer en fait. Très bien.
faut un peu des calories. Pas trop quoi faire pour les calories. Ou on mange des choses comme ça ou pas. Je pense qu'on peut se débrouiller sans. Je vais utiliser les macettes pour le moment. Ne me dis pas que le vent se lève. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Je pense qu'il faudrait qu'on reprenne la route. Le chemin de la route en elle-même. Alors, est-ce qu'il y a des choses... Allez, on va reprendre la route, comme ça je me perds pas et on avance. Voilà, très bien. On a tous les bons vêtements, ouais. Pénitentiary, c'est par là. Oh mon dieu, avance! Il y a des champignons là encore. Avec ce bonus de chaleur, hein, c'est tellement bien, j'avoue. Ça nous aide énormément pour avancer. Pour ne pas subir le froid. Alors... Ouais, c'est par là. Là, c'est le plus long chemin, en fait. Là, c'est le chemin long. Là, j'avoue que c'est un peu le chemin long. Mais pas très grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va rentrer. Ça risque d'être un épisode un peu plus court aussi. On verra si j'ai vraiment le temps en tout. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Alors, il y a deux zones qui sont pas mal. Il y a le col du... Je sais plus quoi, du gardien ou un truc comme ça. Il y a le nord et le sud. Je me demande si on va les faire, ces zones-là. Moi, je les aime bien parce qu'elles sont petites, mais elles sont sympathiques, en fait. Le problème, c'est qu'on est vraiment chargé. On est vraiment chargé. Et dans un sens, je sais qu'il y a des cordes à prendre et tout ça, donc je voudrais en fait rentrer au lac mystère et tout mettre au lac mystère, genre tous les objets qu'on a trouvés en surplus. Parce que ici, c'est pas vraiment... Oh mon dieu, il y a une tempête, c'est chiant. Bon, ça va, vous en peur encore. Bon, on va rentrer. On avait fouillé ça. Mais ouais, du coup, je sais pas trop. Est-ce qu'on retourne au lac mystère et on continue notre aventure? Ou alors on fait les petites zones d'abord et après on part? Parce qu'en fait, prendre tout ce qu'on a trouvé ici et faire ces petites zones là dont je parle... Ça va être un peu une galère, parce que on est trop lourd, en fait. On est grave, grave trop lourd. Je sais qu'il y a des cordes à prendre aussi. Donc, ça va être un peu la galère. Donc, je sais pas trop quoi faire.
Ah, c'est bien ce bonus de chaleur, hein, vous avez vu? On est en plein blizzard et ça dure longtemps. Donc ouais, ça c'est un peu mon problème que j'ai, donc on verra. On verra ce qu'on fait au final. Je vais être honnête, j'aimerais bien faire une petite pause de The Long Dark et attendre la prochaine mise à jour. Je vais être franc. Après, on a encore des endroits, hein, qu'on n'a pas fait, hein, évidemment, mais... Mais ouais, je voudrais bien avoir un peu de la nouveauté. Ça va faire 2 mois et demi, là, qu'on n'a rien eu de nouveau. Donc j'avoue que je voudrais bien. C'est pour ça que je voudrais bien faire une pause. On va voir ce qui se passe. Donc... Réserve de souvenirs. C'est pas... On est où exactement? C'est pas ça la réserve, c'est pas ici. Ça c'est le truc de viande, donc nous on vient d'arriver ici je crois. Non, on est là pour le moment. Faire gaffe parce qu'il y a peut-être un loup. Ah, c'est peut-être l'autre enceinte. Peut-être. J'aimerais que ça soit là. On n'a pas vu de boîte en fait. Je pense savoir où c'est. Je crois qu'il faut faire tout le tour. Oh là là, ce bruit, c'est chiant. Ah putain, laisse-moi passer. Galère quoi. Alors. C'est 30 kilos donc on a la, on a de la marge. Je sais que je disperse un peu les choses, mais bon, c'est pas grave. J'allais ranger ça, mais non, faut pas. Pour le moment, ça là. Ça, ça. Ok. Kilos, très bien. Donc, je pense qu'il faut que je fasse tout le tour. Je vais voir si on peut pas dormir genre une heure. Ah, attendez, je vais aller prendre de la nourriture. Je pense qu'il faut que je fasse tout le tour à l'extérieur. Oh, attendez, ça aussi. Je ferai le tri de toute façon quand... un autre temps, pas grave. C'est un peu chiant qu'on doive prendre le petit escalier là à chaque fois aussi. C'est vrai que c'est pas... J'aime pas trop ici. Honnêtement, j'aime pas trop ici. Ah, j'ai pas pris d'eau. Thank you.
On va voir si ça passe. Je voudrais bien que le blizzard en fait s'arrête, comme ça on peut aller voir la boîte. Ah. Non. Qu'est-ce qu'on fait? J'y vais pendant le blizzard. Je sais pas pourquoi la porte s'est ouverte d'un coup comme ça. Alors, où est-ce que tu es, la boîte? Moi, je dirais que c'est là. Y a pas un loup, là, quand même. Je dirais que c'est par là, mais on n'a rien trouvé. C'est contre la paroi peut-être, voire contre la paroi extérieure. J'ai aucune idée où ça peut être. Non, je sais pas du tout. Il nous faudrait... je dirais une bombe de peinture. Pour pouvoir marquer les zones, en fait. Allez. Ouais, non là je vois pas du tout. Réserve de souvenirs. Ou alors à l'extérieur peut-être. C'est moi je suis sûr qu'on a fait ça là. Donc ça serait peut-être à l'extérieur. Ça disait quoi exactement le papier là ? Le trouver maintenant. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Ouais. On va dormir, on va ressortir et on va voir si on peut pas trouver quelque chose. Parce que je voudrais vraiment le trouver. Ouais,
je peux dormir 5 heures. On dort pas vraiment pour se remettre full vie, on dort juste pour passer le temps que le blizzard là s'arrête, comme ça on peut ressortir. J'espère qu'on va voir quelque chose pendant la nuit par contre. Si je... Waouh, ça a l'air super sombre. Ouais, non, peut-être. Moi, je dirais que c'est dans cette direction, mais c'est peut-être à l'extérieur, du coup. Ah, j'aurais dû peut-être prendre une bombe de peinture, maintenant, ce que je l'avais dit. Bon, déjà, on va voir ce que je pense. Déjà, on va voir ce que je pense et on fera un petit tour. Puis, si c'est pas ça, c'est pas très grave. Mais moi, je dirais que c'est ça là-bas. Là, il faut descendre et aller à droite. J'espère qu'on va pas se faire voir par les loups. What? Attends, c'est un élan ça? Oh putain, un élan juste là, t'es sans déconner. Fais chier. Le truc qui me manquait quoi. Super. Et j'ai pas mon gilet pare-balles. C'est la première fois que j'en vois un ici. Là, on est à la recherche de littéralement une boîte quoi, à ouvrir. Pour se rapprocher de l'enceinte de la prison, je pense. Ah, peut-être là. Oh, yes. My fingers feel numb. Je sais pas vraiment où ça mène là, je sais plus. On va devoir rentrer, de toute façon on est fatigué. Enfin on a froid, pardon. Je sais pas si on... Bah en fait non, si ça mène du côté où on est passé par le sous-sol. Vous vous rappelez ? En gros, c'est ça. Bon, maintenant, pour remonter, ça va être marrant avec l'élan. Ça va être drôle, tiens. Machin qui campe, là.
Il est où le machin? Oh, il est juste là. Ah là 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 là! Ouais, pas dû passer en fait. Parce que je sais pas si je peux remonter, ça mon problème. Et le fait de pas avoir mon gilet pare-balles, j'avoue que là, c'est un peu risqué. Il vient sur moi là. Ou alors je fais tout le tour. Évidemment, faut que le machin aille exactement où je vais. Là, il va faire demi-tour vers la droite. Sans déconner. Ah mon dieu, monte, lève tes jambes, putain. C'est débile des fois. Je vais être franc, des fois c'est quand même bien débile hein, le fait qu'on puisse pas sauter. Ou alors enjamber quelque chose. C'est quand même bien bien con. Je vais devoir faire tout le tour. Je sais même pas si je peux. Oh. Ah, des oiseaux. Il y a un oiseau. Ça, c'est un oiseau, ça. Ça, c'était pas un corbeau, ça. Bon, on va faire tout le tour. Je suis quasiment certain qu'on vient de voir un oiseau. Enfin, les nouveaux, hein, je parle. Hein. Bon, bah moi j'irai peut-être chasser l'élan s'il est à côté. Pourquoi pas. Juste qu'il fait un peu froid. Allez, avance. On va sortir l'arc quand même, parce que si le machin il me flaire, je sais pas d'où. On l'entend de loin, donc ça va. Bon bah du coup on va rentrer. On a récupéré pas mal de trucs. Je vais, moi je vais pouvoir poser tout ça. Je suis assez content. Peut-être que je vais me faire l'élan. Parce que c'est vrai que l'élan ça permettrait d'avoir... bon la peau comme j'ai dit, hein, la peau on s'en fout. Mais pas mal de bonne viande en fait avant de partir d'ici. Ça peut être bien. On va aller au camp. Un loup. Honnêtement, faudrait qu'il l'enlève, le loup, ici. Je suis pas très fan d'avoir un loup en plein milieu comme ça. C'est plus... chiant qu'autre chose, en fait. Après qu'il y ait des embuscades dans l'autre partie là-bas, là. Ouais, ok, mais... Ok, on va s'arrêter là. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Désolé,
Ça fait deux fois de suite que je fais deux épisodes un peu courts. Mais c'est comme ça en ce moment. Et je pense que je vais... Alors, ou... Oh, attendez, je vais prendre à manger. Ou je fais un petit break. Le temps de voir s'ils vont sortir les nouveautés. Parce que normalement, ça devrait arriver. Mais bon, ils ont pris tellement de retard Interland que c'est compliqué, en fait, de savoir ce qu'ils vont sortir. Donc, je suis pas complètement certain. Mais sinon, je pense que peut-être ça sera genre un épisode de farm et discussion. Histoire de rentrer peut-être au lac mystère et tout. Genre de ramener tout ce qu'on a récupéré en fait. Parce qu'on a quand même pas mal de nouveaux objets et tout. Et je voudrais quand même en ramener pas mal à la maison. Genre même les bombes et tout ça, là, les pétaradeurs et tout ça. Je voudrais peut-être les ramener. Comme ça, on en a de côté. Faut aussi qu'on ramène le gilet pare-balles, ça serait pas mal. Ah, donc ouais. Ouais, je vais voir. Je vais voir un peu ce que je fais. Il faut que je casse ça aussi, je le ferai. Mais voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine, portez-vous bien. Donc voilà, on verra. C'est un épisode de... Farm et discussion pour rentrer, ou alors on enchaînera sur autre chose et tout ça, mais on verra un peu comment ça va se passer. Et sinon, comme j'ai dit, pour la prochaine aventure, ce sera ou les petites zones de Blackrock, ou alors si je rentre, que j'ai pas vraiment envie de repartir là-bas, bah on fera autre chose. Je sais pas, on verra encore. Faut que je me décide. À la prochaine, ciao ciao.